Bonjour, aujourd'hui je vous propose une tarte aux courgettes et aux œufs de caille. Qu'elle soit allongée ou ronde, la courgette est bien l'un des légumes emblématiques de l'été dont on compte une quinzaine de variétés, unies ou marbrées, du vert clair au plus foncé, jaune ou blanche. Originaire d'Amérique centrale, la courge fut rapportée du Nouveau Monde. Et à partir du XVIIIe siècle, les Italiens eurent l'idée de la consommer encore tendre et c'est ainsi que la courgette apparut sur les marchés. Riche en eau, en minéraux et oligo-éléments variés, elle contient du potassium, du phosphore, du calcium et du magnésium. Pour la réalisation de cette tarte salée, je préchauffe tout d'abord le four à 180 degrés, puis j'étale une pâte feuilletée dans un moule, je pique celle-ci à la fourchette, avant d'étaler sur toute sa surface 2 cuillères à soupe d'une excellente moutarde fallot au basilic. À ce propos, je rappelle que la moutarderie Fallot, installée à Dijon, est la seule fabrique de moutarde en France qui utilise des graines 100% française, toujours moulue à la meule de pierre et aromatisée à l'aide de multiples ingrédients. Estragon, cassis de Dijon, noix, miel, vinaigre balsamique, ail de Lautrec, curry de Madras, pinot noir, truffe de Bourgogne, yuzu, etc., etc. Ensuite, je dispose en cercle les rondelles de courgettes fermières, une jaune et une verte, les assaisonne de fleurs de sel et piment d'Espelette, les saupoudre d'un mélange de thym et romarin du jardin, je parsème l'ensemble d'un filet d'huile d'olive et j'enfourne pour une vingtaine de minutes à thermostat 6, soit 180 degrés. Pendant ce temps, j'ai cuit un à un 6 œufs de caille dans un emporte-pièce en forme de corolle et je les ai réservés au chaud. Au moment du service, je dispose les œufs sur la tarte salée, j'ajoute des feuilles de basilic du jardin, sans oublier de râper du parmesan sur les parts de tarte dans l'assiette. Pour un accord mets et vins parfait, j'ai accompagné cette tarte aux courgettes avec l'excellent New Pink Wine du Clos Trigodina, un savoureux vin rosé 100% Malbec, élevé en fût d'acacia pendant 6 mois, par Jean-Luc et Sabine Baldès à Vire-sur-Lot. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit !